Salut, je viens de faire un test de grossesse. Et alors? Elles étaient dures les questions? Alors, quoi de neuf? Mon mec me trompe. Non, je te demande, quoi de neuf? Mon mec, il a été fonctionnaire. Et alors? Ben, ce sont les meilleurs compagnons. Pourquoi? Bah, quand il rentrait le soir, il n'était jamais fatigué et il avait déjà lu le journal. J'ai un compagnon en or. T'as de la chance. Le mien, il est en tôle. J'ai finalement réussi à ce que mon copain, avec qui je sors depuis 6 ans, me parle de mariage. Ah oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'elle s'appelle Lorraine et qu'ils ont eu 3 enfants. J'en ai marre. À tous nos rendez-vous, il m'offre des fleurs fanées. Bah, essaye d'arriver à l'heure. Si par hasard, je couche avec un collègue et je tombe enceinte, je peux considérer que c'est un accident de travail? Mon rêve, ce serait d'épouser un archéologue. Ah bon? Bah oui, plus tu vieillis et plus il t'aime. À chaque fois que mon mec me ramène des fleurs, je suis obligée d'écarter les cuisses. Pourquoi? T'as pas de vase? Quand on fait l'amour avec Joe, je ne cligne pas des yeux pendant les préliminaires. Comment ça se fait? J'ai pas le temps. Mon mec, au moins, a la conscience tranquille. Ah? Oui, il l'a jamais utilisé. Hier soir, j'ai enfin rendu mon homme heureux au lit. Et tu as fait comment? J'ai installé une télé dans la chambre. Au lieu de me chercher un mec, je vais m'acheter une boîte de canigou. Ah bon? Pourquoi? Parce que moi, dedans, il y a de la cervelle et du cœur. Et si on faisait une partie de cartes? Bonne idée. T'as les règles en tête? Non, pourquoi? Je saigne du nez. L'autre jour, j'étais en boîte de nuit et ce matin, je viens de découvrir que j'étais enceinte. Super nouvelle, et c'est qui le père? J'en sais rien. Hein? Dis donc, quand vous mangez une boîte de haricots, vous savez lequel vous fait péter, vous?